Hello, hello tout le monde, comment allez-vous les amis? Aujourd'hui, vous avez compris, c'est la suite de notre petit espèce sur le nouveau Bendy and the Dark Revival. C'est l'épisode 5. Pour tous ceux qui sont peut-être un peu perdus dans les épisodes, sachez qu'il y a une playlist commençant du premier épisode jusqu'au plus récent. Voilà, donc comme ça, vous avez tout qui est en ordre et vous savez regarder dans la suite les épisodes. Donc on s'était laissé la dernière fois les amis au commencement du chapitre 3. On va le commencer maintenant pleinement aujourd'hui et on va aller voir un petit peu toutes les surprises que ce chapitre nous réserve. Allez, c'est parti, on y va. Ok, donc c'est parti, on est arrivé dans cette pièce là et on va commencer directement par mettre notre tuyau. D'ailleurs heureusement que je l'avais rechargé hein, dans le quatrième épisode. Je l'avais rechargé pour éviter de s'embêter avec ça. Allez, Sésame, ouvre-toi. The machine must endure. Il y a énormément d'encre par ici, j'espère que justement ça veut pas dire que le démon d'encre. Oh putain. Wow, ok. Il va peut-être falloir arranger cette radio là parce qu'elle m'a fait super peur. S'il y a un mécano qui passe par là, essayez de pas régler la radio parce que là ça m'a vraiment fait peur. Alors, qu'avons-nous ici? On est dans une gare ici, non? Donc déjà on va récupérer ça. Voilà, parfait. Et on a Wilson qui est en train de nous parler. Soit un bon œuf, un bon poussin, je sais pas, suis les règles. Soit un bon mouton en gros. Ah là on peut échanger et c'est parfait parce que... Après j'en ai 4 déjà, donc pour l'instant je vais garder mes ressources. Je vais pas dépenser hop tout maintenant, ce serait con quand même. Alors qu'y a-t-il à faire par ici? On a des grilles qui nous bloquent. On a ici un passage mais qui est condamné, qui est bloqué. Et on a ici également une porte qu'on peut briser et qu'on peut ouvrir surtout. Elevator up. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un par ici? Non, ça m'a l'air d'être tranquille pour l'instant. On a ça là par contre, mais il va falloir que je recharge mon petit tuyau. Il doit sûrement y avoir un appareil quelque part, non? Peut-être par ici. Non, là, il y a un casier pour se... Non, pas se cacher. Pour chercher des petits objets intéressants. Eh ben, il n'y en a pas. On a un chariot là. Vas-y, bouge-toi mon pote. Je vais avoir besoin de te dégager. Oh putain, il y a un truc pour se planquer. Est-ce que ça voudrait dire que le démon d'angle va pas tarder à arriver? C'est possible, c'est possible. Putain, ça prend maçon de virer chariot. Ok, c'est bon. Hop, on laisse ça là. Et on va aller voir un petit peu ici s'il n'y a pas une machine pour recharger le tuyau. Il y a des bruits bizarres comme s'il y avait des ennemis pas loin. C'est très étrange. C'est vrai que des fois, j'écoute un peu. Ah putain! Oh bordel, c'est le démon d'encre! C'est exactement comme la dernière fois. Il est en train de graille quelqu'un. Ok, c'est bon, on se cache, c'est bon. Normalement, on est bien planqué. Il va disparaître comme par magie. En lâchant son meilleur raw, mais évidemment, à chaque fois, il vient de graille. C'est pour ça qu'il lâche des raws de fou furieux. Mais c'est bon, on peut continuer. Allez, hop. Voilà, ça, c'est gratuit. Il était venu d'ici. Et nous, on doit faire ça. On doit ouvrir ça. Et il y a un vieux cadavre là. Je pense que c'est le corps qu'il a mangé. Hein. Et il l'a laissé là. Il n'a même pas pris la peine de nettoyer. Allez, montons, les amis. Montons. Parce que nous avons besoin de recharger notre petit tuyau. J'espère que l'ascenseur ne va pas faire une dinguerie. Allez, ascenseur. Emmène-nous là où tu dois nous emmener. Sans péripéties. Sans problème technique, ce serait cool parce que ça me rappelle étrangement un petit souvenir avec Wilson là. Hein. Wilson, d'ailleurs, ça fait méga longtemps qu'on l'a pas vu. Mais je pense qu'on va pas tarder, à mon avis, à le revoir. Que ce soit Bendy, Wilson, je pense qu'on va sûrement les revoir. Il y a Alice aussi, c'est vrai que Alice, putain, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. L'ascenseur, tu veux bien accélérer? Ouh. J'avais dit, s'il vous plaît, pas de péripéties. Pas de couilles. Est-ce que c'est bon? Ah, j'ai l'impression d'être bloqué là. Ça va commencer à me faire paniquer. Merde, attends, pourquoi est-ce que. J'ai l'impression que je dois faire quelque chose. Tiens. Ah! Keeper. Sur fan 1-1, news. Merde, je pense qu'en gros, il y a un truc qui n'est pas autorisé normalement dans l'ascenseur. Manually fait Jackson activate. Il a bugué, putain. Ah ouais, il est flippant, le gars qui donne les instructions, il est flippant de fou. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Merde! Oh! Je sais pas ce qui vient de se passer, mais là, c'est vraiment la merde. Ah ouais, là, on vient de se planter, non? Ah! Oh merde! Ouh, ça sent pas bon. Je sais pas ce qu'on vient d'atterrir là, mais ça sent pas bon du tout. Petit écran noir. Est-ce que mon écran serait rempli d'encre et c'est pour ça que je ne vois plus rien? Ou je suis peut-être juste tout simplement dans les vapes? Ah, il y a une sauvegarde. Bon, moi j'ai toujours mon tuyau. Oh, oh merde. Oh merde, what the fuck, c'est quoi ça? What? Oh non. Oh, c'est quoi ce délire? Oh merde. Oh putain, c'est vénère. Ah, c'est chaud là. On se croirait dans Alien. On se voit dans le film Alien. Qu'est-ce que je dois faire? Attends, il faut que je regarde les trucs. Ok, je recherche vite. Ok, ça marche pas apparemment, ça ne marche pas. Oh putain, ils sont combien? Il faut que je pète tous les œufs. Oh, niveau vie là, c'est chaud. J'ai quasi plus de vie. Je vais mourir. Il y a des trucs à faire. Ok, je viens d'acheter un café. Là, on a un truc, mais je peux pas l'utiliser pendant les combats.
Oh mais ça craint là ce qui se passe en vrai. C'est des araignées. Oh là là, c'est dégueulasse. Dégagez, vous me dégoûtez. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas. Il doit y avoir une technique. Tu vois, il y a un truc ici. Ah merde, c'est ça, c'est ça. Je dois abaisser ça. Je dois péter le truc, ok. Je vais faire ça à chaque truc. Et il va se passer quelque chose normalement, je pense. Je dois tous les refermer. Regarde, hop. Hop, voilà, c'est ça. Au fur et à mesure, je dois faire ça. En même temps, j'essaie de les esquiver au max. Ok, lui, c'est bon, je pense. On va faire celui-là. Ok, lui, c'est bon aussi. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Nice. Il en reste combien? Il en reste encore ici. Oh là là, j'ai presque plus de vie. Je vais essayer de me prendre un café. Alors, je dis pas ça en mode je vais me poser et prendre un café, mais je vais essayer de prendre un café pour me soigner. Vite, vite, vite. Ok, nice. J'ai bu un petit café là, c'est bon. Allez, là, je me sens prêt. On peut finaliser ça? C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Ça les a fait fuir. Wow, c'était tellement stressé. Oh merde. Oh putain. Oh shit. Je vais devoir affronter ça là. Wow, elle a l'air balèze. Elle a l'air balèze. Attends, comment je vais faire pour m'en débarrasser? Comment est-ce que je vais faire? Au secours. Mais j'ai pas envie de me battre moi, pas contre ça en tout cas. Ah. Oh. Oh. Je crois qu'elle a pas aimé mon attaque là. Elle va me balancer des bébés. Oh, elle va me balancer des bébés. Je peux les casser ou pas? Ouais, je peux les détruire. Ok, merde, faut que j'esquive en fait. Faut que j'esquive et quand elle revient, je lui boxe la tête. Putain, c'est un combat de boss. C'est la première fois qu'on a un combat de boss dans un épisode. Wow. Oh putain, y a pas un lance-flamme là pour brûler toutes ces merdes? Waouh, c'est tendu. Attends. Je pense que je dois vraiment tous les avoir. Allez, dégagez tous. Hop. Y'a pas un petit café pour moi? Elle va revenir, c'est sûr. Elle va revenir. Juste plus de celle-là, là. Et là, elle revient. Allez, je te boxe. Ok, elle remonte. Elle me rebalance ses conneries. Et moi, je vais aller acheter un café. Je vais même peut-être en acheter plusieurs. Tant qu'il y en a, on en prend. Voilà, ça redonne toute notre vie en vrai. C'est trop bien d'avoir mis ça en place. Toi, tu dégages. C'est épique en vrai, hein. Franchement, c'est ultra angoissant. En plus, je suis vraiment pas fan des araignées de base. Donc là, je vous avoue que d'avoir mis des sortes de araignées d'angle bizarres là, dégueulasses. Surtout celle-là, elle est horrible. Tiens! Mange-toi ça dans tes grosses dents et Dieu sait que t'en as pas mal. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. On a battu notre premier boss. Ah, je suis trop content. C'était énorme. Flippant, mais vraiment, vraiment cool. J'ai grave kiffé. Et franchement, ça va niveau difficulté. Je m'attendais à ce que ce soit pire que ça. Mais franchement, c'est passé tranquille. Heureusement qu'il y avait les cafés. Hein. Je crois que j'ai jamais autant apprécié un café de ma vie. Là, je t'avoue qu'on peut m'en donner. Il n'y a aucun problème. Dans Bendy, je suis fan du café. Voilà, maintenant c'est dit. On peut continuer et je peux respirer surtout. D'ailleurs, je vais prendre un petit café parce que là, vous avez vu que j'ai pas toute ma barre de vie. Hop, c'est la barre jaune, hein, si vous avez pas capté. On a la barre blanche qui correspond à l'endurance et on a la barre jaune qui correspond à la vie. Donc, ouais, il faut que j'aille rechercher mon pâté de Toyo là, juste là. Hop, voilà. Ouh. Eh ben, franchement, je m'attendais absolument pas à ça. Mais quand je suis tombé là, je sais pas pourquoi, j'ai senti la douille tout de suite arriver. Et en effet, j'avais pas tort. On a revécu une scène des films d'Alien, mais en mode Bendy. Hop, attends, y'a rien dans les petits casiers là. En vrai, un petit chocolat, un petit donut, petit dessert. Voilà, pour avoir bu du café, un petit donut et une porte, mesdames, messieurs, avec une batterie. Bonsoir, je suis bloqué. Non, ok, c'est bon. Bonsoir tout le monde, est-ce qu'il y a des gens par ici? Non, y'a une grosse porte blindée. Qu'est-ce que je vais faire pour l'ouvrir? Attends, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est ça là? Ah, je dois pas aller dans le truc. Est-ce que c'est possible de m'ouvrir la porte? Alice, est-ce que tu es là? Alice! Oh, Audrey, où es-tu? Je sais pas. C'est vraiment sombre. Et je ne sais pas quoi faire. Ok, attends ici. Je vais venir te chercher. Juste, ne bouge pas. Et bah, j'ai pas trop l'intention de bouger. En même temps, j'ai pas trop le choix, quoi. Il y a une porte qui est juste fermée là à côté, donc bon. On va pouvoir faire... C'est quoi cette musique? Oula, c'est quoi cette musique? C'est bien. Ah, mais c'est elle, saut. D'accord, très bien. Oh, c'est Bendy le Bendo! Comment tu vas, mon petit ref? Non, ne pars pas, pas cette fois. Arrête, on peut discuter. Mais j'avais même pris un café pour toi. Un petit café sans sucre, là, comme tu m'as demandé. Qu'est-ce que je peux être con parfois, putain. Bon, bah, on a fait fuir Bendy, hein. Bendy le Bendo, qui est reparti. On le retrouvera à un moment donné, on le retrouvera. Il s'habituera à nous et on deviendra les big potes. Attends. Toi, par contre, s'il y a moyen de te. Voilà, te briser en deux, c'est avec grand plaisir parce que ça me dégoûte. Oh, il y en a plein des œufs. On est à Pâques ou bien c'est comment? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'œufs là? Je vais essayer de les... Non, je sais quoi, je vais pas y toucher. Tant que... Oh, quoique, c'est bon. Au bout d'un moment, voilà, moi je prends les choses en main. Hop, ça dégage. Deux, trois petits coups de tuyau et c'est bon, c'est réglé. Hein. Hop, on y a ça à récupérer d'ailleurs, tiens. Allez, ça aussi, il y a tellement d'objets à récupérer. Oh,
Ça nous emmène où ça en fait? Parce qu'elle a quand même dit de ne pas bouger. Et là je suis en train de, bah, de bouger justement. Et bien fort. Donc si ça tombe je vais me mettre dans la merde. Après on a vu Bendy donc on va essayer peut-être de le trouver tu vois. Peut-être qu'Audrey elle est en train d'essayer de le chercher je pense. Ouh Bendy. Oh il y a Massang Park. Oh merde c'est qui ça? Hein? C'est Wilson vous pensez? Ah jouer! I believe there's something special. Tu es spécial Audrey. Qui es-tu? Tu ne me connais pas? Tiens regarde. Attends, tu es pas joué Drew en personne, vous imaginez, incroyable. Bien, parlons. Allez, viens. On doit juste marcher un peu. Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Pourquoi est-ce que je sens qu'il va nous douiller? Je le sens tellement pas. En fait, genre avec tout ce qui se passe dans le jeu, j'arrive pas à avoir confiance aux gens, en fait. Même Alice, je vous avoue que... Je sais pas, j'ai des petits doutes, tu vois. Allez, on y va, suis-moi. Ah ok, il dit en gros, reste bien près de moi, fais attention parce qu'il y a des mauvaises surprises. Ok. Mr. Drew. Joey, s'il te plaît. Quel est cet endroit? Ce studio, c'est monstre. Et est-ce que c'est mon rêve? Est-ce que je suis en train de rêver? C'est un cycle, Audrey. C'est en gros le cauchemar de l'an qui se répète. Un galaxie parallèle, les Osaimor. Ok, il parle d'un monde extérieur. C'est bizarre, on dirait un peu en tout cas la Stranger Things là. Ce studio est un monument. Il a été construit pour se venger ou pour regretter? Je ne sais pas. Alors j'arrive pas trop à capter tout ce qu'il me dit hein. Mais écoutez, suivons-le. La vérité. J'ai pas beaucoup de temps pour lire ces phrases. Je vous laisse hein, si jamais, mais. They've taken over the old jet workshop just beyond the sewers, trying to bring what they call order to this world, freezing the cycle in place. Changing the script. Ah, il me parle beaucoup, le frérot. Il va les trouver ici. Il m'a demandé un truc, je pense. Regarde. Ne jamais regretter. Tu es ici pour une bonne raison, Audrey. Il y a toujours une bonne raison. Tu as créé ce monde. Alors pourquoi est-ce que tu ne peux pas l'arranger? Parce que je ne peux pas. Je suis juste... Ah ouais, un souvenir en gros. Il n'était pas réel. Ok. Incroyable cette rencontre. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. Alors bon, malheureusement, je n'ai pas pu tout comprendre. Carrément eu un face-à-face avec le créateur de tout l'univers de Bendy et tout. C'est énorme. Et en parlant de Bendy, il y en a un juste là. Et là, c'est lui. Joey Drew, 1901-1971. Vraiment très intéressant. Super intéressant. J'imagine qu'on aura par la suite peut-être d'autres souvenirs de lui. Ou peut-être pas en fait. C'était peut-être le seul souvenir qu'on allait avoir de lui dans le jeu. Mais très intéressant en tout cas. Une bonne rencontre. Oh Bendy encore. Mehdi mon Bendo. Non encore mais... En fait on est en train de jouer au jeu du chat et la souris si j'ai bien compris. Voilà. Ou peut-être qu'il veut essayer de nous emmener quelque part le Bendy. Où est-ce qu'il est allé en vrai? Bon il y a un truc là déjà. Voilà, ça ouvre la porte là. Mais avant d'aller voir ce qui se passe là-bas, je vais d'abord fouiller un peu. Regarde, déjà ça, très important. On va recharger notre tuyau. Comme ça, c'est fait. On a une recharge d'avance. Allez, on attend dans l'habitude. Hein. On a chopé le coup de main. Let's go! Allez, le tuyau est opérationnel. Pour la suite, n'est-ce pas? Là, on a un distributeur. Mais je pense que je vais rien dépenser. Pour l'instant, je garde ma thune. On a rechargé le tuyau. C'est ce qu'il fallait faire. Et on va continuer de progresser et retrouver notre petit Bendy. Il doit pas être très loin, je pense. Hein. Alors, unsafe area. Rester ensemble. Ça a été barré, le together. Et il écrit dead. Super. Ça s'annonce mal. Voilà, c'est tout. C'est... L'analyse a été très rapide, mais je pense que ça sent la merde. Peut-être que Bendy sera là et qu'il va nous aider. Je sais pas. Quelqu'un par ici? Déjà. Bon, ok. Un symbole d'araignée avec une tête de mort. Je pense qu'on va revoir les araignées très vite. Là, il y a une porte. On peut ouvrir. Et dedans, dans cette pièce, il y a ça. Boîte de conserve.
Ok, de la soupe au bacon en gros, très bien. C'est tout ce qu'elle va récupérer ici. Il y a vraiment des têtes de mort araignées partout. Je peux aller là-dessus ou pas? Oh! Ah ouais, je pensais que... Merde! Attends, attends, je suis en train de me noyer là! Je suis en train de me noyer! Merde, j'aurais pas dû aller là-dedans! Ok, heureusement que j'ai le pouvoir. Ça m'a permis de sortir. Wow, bon, conseil, ne jamais sauter dans l'eau. Très 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 mauvaise idée, il y a un truc pour se cacher. Oh là là, j'étais pas bien là. Je pensais que j'allais mourir, mais heureusement que j'ai pensé au pouvoir. Ça m'a bien aidé pour le coup. What? Mais il y avait une entrée ici. What the fuck? Ok, j'étais en train de chercher, mais je sais pas si c'est ça la solution. On a ça. Ouais. Et je crois qu'en vrai... Ah, on a ça aussi. Hop. Non, en vrai, c'est un endroit utile, je pense. C'est un endroit qui a son importance. Là, je peux pas passer pour l'instant, mais bon, écoutez, j'ai activé le levier. Ça, c'est parfait. Maintenant, je dois trouver, bah, quoi faire ou à quoi correspond ce levier. Ah, mais il y avait une pièce aussi ici. J'étais pas encore venu, ok. Et je pense qu'il doit y avoir également un levier ou un truc à récupérer par là. Attends, j'arrive pas. Ok, merci. À récupérer ça. Et ça, c'est quoi? Security lock. Ouais, c'est évident. C'est évident. Oh, il y a un truc pour améliorer nos compétences. Bah écoutez, je vais augmenter cette fois-ci la stamina. On va faire dans l'ordre. On avait augmenté la vita, on avait augmenté l'endurance, ou l'habilité plutôt. Et là, on va augmenter la stamina. Je crois justement que la stamina, c'est ça. C'est soit l'endurance, soit c'est un rapport avec nos pouvoirs. Et on va augmenter. Écoutez, ok, c'est parti, upgrade. Voilà, là au moins on a les 3 trucs améliorés au niveau 1. C'est parti, on revient en arrière et on continue de fouiller parce qu'au final, y a pas de levier ici. Mais on a quand même récupéré un truc super intéressant. L'amélioration de pouvoir, ça c'est pas rien. En fait, moi j'étais allé à gauche tout à l'heure. Et là en fait on pouvait aller à droite aussi. Je pensais que ça emmenait au même endroit mais pas du tout en fait. Pas du tout. Ah mais attends, mais oui, mais il y a ça. Il y a ça. Pourquoi je l'ai pas fait? Ok, là on va pouvoir avancer je pense. C'est ça qu'il fallait faire depuis le début. Attention. On peut aller voir ce qui se trame derrière. Ah bah voilà, ça, ça va certainement ouvrir une porte ou faire quelque chose. Ah 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 ah, ça a activé des machines. Ah mais oui, ça va vider l'encre, non? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas une machine qui va vider l'encre? Ah mais ça a libéré l'accès ici, voilà. Et donc maintenant, on peut débloquer cette porte là et ensuite appuyer là-dessus. Et là, ça vide l'encre. On va pouvoir se balader maintenant, c'est parfait. Se balader sans se noyer dans l'encre. Que c'est un peu chiant quand même. Oh putain, ils m'ont fait peur. Wesh, wesh, ils ont changé de style. Ils se sont fait une petite coupe les vrais. Oh merde, ils m'ont déglingué. Oh non. Ah, je réapparais ici. Heureusement, il y a eu un point de checkpoint. Oh, ils m'ont fait trop peur en plus. Ils m'ont fait super peur. Ils m'ont fait revenir là où je devais venir. Donc c'est parfait. Ah, il y a un truc ici. Il y a un truc ici. J'avais pas tout de suite vu. Donc là, en gros, qu'est-ce que ça va faire? Je comprends pas. Attends. Tous les trucs ici sont ouverts. Je vais remonter. Je sais pas à quoi ça sert. Le fait d'avoir fait ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Je vais aller voir si de l'autre côté ça fait un truc ou pas. Alors là, j'ai l'impression que ça a rien fait de plus. Attendez, je vais tester un truc. Est-ce que je peux réappuyer sur le bouton? Ouais, qu'est-ce que ça fait? Ça remplit l'encre à nouveau. Ok, je pense que j'ai compris, non? Le tuyau ouvert va ramener de l'encre de l'autre côté. Merde, j'ai fait une connerie. Ramener de l'encre de l'autre côté, non? Est-ce que ça fait monter le niveau ou pas? Oui, c'est ça. Et du coup, là, regardez, on peut avoir accès maintenant à ça, à la fameuse machine. Ça, c'est parfait, ça. Donc, regardez, hop, on fait ça. Et comme ça, maintenant, c'est carré. On peut directement, hop, aller ici, activer le levier. Et boum! Pouvoir ouvrir certainement la porte. Ce que je vais faire, c'est que je fais ça. Voilà, on va retourner de l'autre côté. Et vous avez capté, on va revider l'encre. Et on va pouvoir avoir accès à la porte. Oh, putain! Mais j'en ai marre de vous! Mais vous mourrez jamais? Waouh! J'aurais mis je sais pas combien de coups là avant qu'il meure. À chaque fois ils te surprennent comme ça, c'est fait exprès, c'est fait exprès. Dès que t'avances un peu dans le jeu, on essaye de te ralentir en t'envoyant une horde d'ennemis. Mais ça ne marchera pas les gars, ça ne marchera pas avec moi. Donc ouais, maintenant que tout cela est fait, est-ce que j'ai accès à la porte ouverte? Oui, bah voilà, c'était sûr que ça allait être ça. Et on peut enfin sortir, je l'espère. Il écrit exit, donc j'espère que c'est pas un prank de leur part. Bah écoutez, let's go. Hop, on prend l'échelle. Et ça nous emmène où tout ça? Ça nous emmène vers ici. Ah, avec de quoi recharger notre tuyau. Donc je pense que ça va servir pour l'autre côté. Attends, j'arrive pas à mettre mon tuyau, voilà. Je pense que ça va servir pour l'autre côté. Je suis allé dans le bon côté direct. Allez hop, on fait ça en vite fait. Let's go, on remet le courant dans mon tuyau. Magnifique. Ça c'est une bonne chose de fait. Donc maintenant je peux aller, j'imagine, là-bas. Et tiens tiens, ok c'est fermé. Par contre il y a des panneaux du gang de boucher. Ah, je vais racheter un truc parce que c'est vrai que là niveau vie c'est un peu chaud pour moi. Il y a une petite barre de chocolat, c'est parfait, on a un levier là. Hop.
Et ça ouvre la porte ici. Oh, what the fuck. Amok? C'est qui, Amok? On dirait une sorte de clan un peu à la Mad Max. Genre, c'est bizarre. Salut les refs. Oh, Lord Amok, Seigneur Amok. Un étranger vient vers nous. Tu es là. What? What? Mais je veux pas mourir. Mais what, prévenu? Enfin, il a prévenu quand même, il a prévenu. Oh putain. Ah le bâtard. C'est Amok. Le seigneur. Le seigneur Amok. Aïe. 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 Ok, c'est bon. Oh, bah tu parles d'un seigneur. Tu parles, mon gars. Il s'appelle Lord Amok, il pue la merde. Oh putain, merde. Non. Je voulais pas insulter ton maître. Ah non, c'est bon, c'est moi le maître. Oh. Comme j'ai tué leur seigneur. Je suis seigneur Fritz. Peut-être pouvoir leur donner des ordres. Attends. Vraiment? Si je me mets là. Mais non. C'est une scène de film, le bordel. Je suis le seigneur Fritz. Obéissez-moi. Et je vous laisserai la vie sauve. Bon allez, ça suffit les conneries. Au moins on sait qu'eux ils nous attaqueront pas. Alors après, est-ce que ça va être pareil pour tout le monde? Ils vont capter que c'est moi le seigneur Fritz. Ou est-ce que les autres vont m'attaquer? Tu vois, lui il me fait rien. Ah ouais, il m'appelle Amok. Et il vient de m'ouvrir la porte. Trop bien. Wouah. Je viens d'avoir toute la richesse. Toute la richesse, tous les objets, toute la bouffe. Absolument tout ce qui appartenait au Lord Amok. Incroyable. Et ben voilà, là je suis riche. Incroyable. Attends, hop, la dernière pièce, voilà, le rat. Vous savez, on rate pas une seule pièce de monnaie, c'est mort. Ça c'est quoi? Il y a quoi là-dedans? Ouh, mais c'est qui nous met bien là? Là on vient de dépouiller carrément le clan. Allez, je me tire, vous ne me verrez plus jamais les refs. Ah, attends. Mais vous êtes fous quoi? J'allais passer à côté de tout ça. J'allais passer à côté d'énormément de choses là. Non. Faut bien fouiller tout. Il y a même une petite pièce ici là. Je suis vraiment un rat, putain. Voilà, j'espère ne rien avoir loupé. Un schéma ou quoi, ce serait trop con. Et je pense que c'est good. Ciao mon disciple là. Je m'en vais. J'ai d'autres choses à faire. Genre notamment abaisser ce levier. Boum. Il me sert à quoi d'ailleurs ce levier? Au final. Il a dû ouvrir une porte pas loin. Attends. Est-ce que ce serait pas ici? Parce qu'à mon avis, ça doit être un peu plus en arrière. What? J'entends des voix. C'est par là? Oh putain! Wesh! À chaque fois il fait ça! À chaque fois il fait ça! Mais non, je reviens en arrière là, je reviens en arrière. Tu dois accepter your ton destin avant la fin. Quoi? Non, attendez, je crois que je dis de la merde. Non, je pense qu'en fait, non, je suis trop con. Je pense qu'on doit aller réellement par là via l'échelle. Ouais, elle est beaucoup plus longue que l'échelle par laquelle on était venu. Ouais, c'est ça. C'est un autre accès ici. C'est un autre accès. C'est fermé. Street exit. Ok, apparemment la sortie est par là-bas. Boum. Oh. Non, c'est un jouet, ok. C'est quoi ce monde? Ouais, c'est incroyable. Cet endroit. Quel est cet immense endroit? Oh, mais il y a Bendy. Oh, c'est toi. D'où est-ce que tu viens? Regarde. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je ne voulais pas t'effrayer. Et... Mais attends, je sais pas ce qu'elle a dit. Bien. Est-ce qu'on peut devenir amis alors? Tu vois, toi et moi? Ah, il veut bien. Ok, super. Peut-être que je pourrais t'aider. Peut-être que tu pourrais m'aider. Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est un mauvais endroit? Il a peur. Ok. Ok. Très bien, donc apparemment on va faire équipe avec lui et là on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Trop bien, on est avec Bendy, regardez-le. Il est tout gentil, tout mignon, tout souriant. Chapitre 4 d'ailleurs. Ok, bah écoutez les amis, vous l'avez compris, hein, fin d'épisode. On a le petit Bendy, mais est-ce que vous pensez que Bendy là il est cool? Ou est-ce qu'il va nous mettre une douille à un moment donné? En tout cas l'endroit est incroyable. On voit la ville et tout là, c'est magnifique. Bah écoutez, on retrouvera notre petit Bendy pour le prochain épisode. Épisode qui j'espère vous aura plu. Franchement c'était incroyable cet épisode, il s'est passé beaucoup de choses, mine de rien. On a vu Bendy, ensuite il est parti, ensuite on a tué un seigneur, on est devenu le seigneur, et ensuite on a retrouvé Bendy, et là on va faire équipe avec Bendy maintenant. Bref, c'était trop bien, c'était trop cool. Donc vous inquiétez pas, vous aurez la suite très rapidement. Je continue d'être assez régulier, d'être assez actif sur le let's play, comme ça on avance tranquillement, on continue de découvrir l'histoire à un bon rythme. Voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à me dire bien évidemment dans les commentaires ce que vous en avez pensé, abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Bendy. Allez, c'est votre Fritz, ciao.